Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie. Théorie et la musique juste avant était parfaite puisqu'on va aborder un cas, le cas des Ménéthil aujourd'hui. Et pas que des Ménéthil, également d'une famille qui me tient vachement à cœur, avec un peu d'ironie, les Fort Dragons. Donc je tiens à le redire pour commencer. Je suis pas forcément, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que je suis pas spécialement ultra fan des théories un peu tarabiscotées, tout ça, Anduin, fils d'Arthas, blablabla. Mais pour moi, une théorie, elle peut... Alors, théorie, ça reste spéculatif. Donc, bien entendu, ça peut complètement être démenti par la suite, ça peut être complètement défoncé. Faut pas s'accrocher à une théorie parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Mais moi personnellement, je fais peu de théories, mais quand j'en fais, j'essaye de m'appuyer sur un maximum de concret. Et on a pas mal de choses concrètes, hein. Avec Eva, on a bossé sur cette théorie, on vous en parle un petit peu en stream ces derniers temps. Bolvar, on sait, on le sait déjà, et le père de le père de Taelia, Fort Dragon. Du coup, qui est la maman, puisqu'on le sait pas. Eh bien, il y a une théorie, alors... Ça vient pas que de nous non plus, mais on a pas mal étayé, on a pas mal solidifié, je dirais, la théorie avec, avec Eva. Ce serait Kalia. Potentiellement, ça serait, je dis bien au conditionnel, ce serait peut-être Kalia Ménéthil. Si jamais Kalia Ménéthil était bien la femme de Bolvar, ça nous ferait que, tout simplement, Taelia serait la fille de Kalia Ménéthil et la fille de Bolvar Fort Dragon. À elle seule, elle unirait du coup la couronne de Lord Aeron, donc la famille Ménéthil, la couronne de Lord Aeron, donc le trône de Lord Aeron, d'un des royaumes humains, qui a été laissé à l'abandon depuis Warcraft 3, et potentiellement, eh bien, une famille de petite noblesse malgré tout, mais une noblesse d'Azeroth, donc du royaume d'Azeroth, Hurlevent Stormwind. Et on sait que Anduin, hein, il doit pas tarder à épouser quelqu'un, hein, pour continuer la dynastie, tout ça, tout ça. Et dans les théories concernant Anduin, alors ça reste théorique aussi, mais on va dire que Anduin, il y a de grandes chances que ça soit soit Tess Greymane, soit Taelia Fort Dragon. Hein, on rappelle que Bolvar était le tonton, un peu l'oncle, et surtout le protecteur d'Anduin. Donc ça permettrait de lier des choses, et imaginez, ça ferait que la famille Ménéthil et la famille Rhin, donc la famille régnante d'Azeroth et la famille régnante de Lord Aeron, soient unies. Et c'est assez, voilà, goûtu. Là vous allez me dire, ouais, tu pars vachement loin quand même, Malga, il nous faut des éléments, il nous faut du concret. Eh bien, je vais vous en donner du concret. Et ça voudrait aussi dire que Bolvar est le beau-frère d'Arthas. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, pour commencer, il faut bien sûr revenir aux sources qui nous font dire cela. C'est tout simplement le livre Avant la Tempête, Before the Storm en anglais, que je vous conseille. J'ai fait une vidéo dessus qui vous en parle avec, enfin, sans spoiler et avec spoiler. Bon, là, on va spoiler, hein, mais Avant la Tempête est franchement l'un des meilleurs bouquins de la licence Warcraft que je n'ai jamais lu. Honnêtement, c'est incroyable. Il fait partie de mon top 5, hein, clairement, des livres Warcraft. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui peut nous amener à cette théorie? Eh bien, c'est tout simplement des éléments qui viennent du RPG à la base, donc du RPG papier, donc c'est-à-dire entre War 3 et WoW Vanilla. Et eh bien, il y a des éléments du RPG qui ont été repris et dit dans le livre Avant la Tempête, où on redécouvre Kalia Ménéthil, la sœur d'Arthas Ménéthil, qui va nous parler un petit peu, eh bien, de son passé, de comment elle a survécu après la Troisième Guerre, comment, eh bien, elle a pu survivre, sa famille, comment elle est liée aux morts vivants, aux réprouvés, etc., etc. Et au final, eh bien, on apprend que Kalia Ménéthil s'était mariée en secret avec un homme de basse extraction, donc un homme de petite noblesse, ou même un paysan, hein, peut-être. Mais non, enfin, c'est pas un paysan, d'ailleurs, on le sait après, mais en tout cas, un homme de basse extraction. Et on sait également qu'elle a une fille. Alors, dans Avant la Tempête, eh bien, on redécouvre, certains joueurs découvrent justement eh bien, la présence de Kalia Ménéthil, d'autres la redécouvrent, certains par exemple qui jouaient prêtre à Légion eh bien, avaient déjà vu Kalia puisqu'elle était présente dans le domaine de classe des prêtres, et certains autres comme moi redécouvrent Kalia puisque eh bien, Kalia n'est pas une création. On pourrait se dire, ah voilà, ça y est, Blizzard manque d'inspiration, ils sont obligés de créer une sœur à Arthas qui sort du chapeau, tout ça, tout ça. Eh bien non. Et pour la petite anecdote, Kalia Ménéthil a été créé avant même Arthas Ménéthil. Et ça, c'est incroyable. Quand on connaît la réputation, la légende d'Arthas, eh bien, alors peut-être que bien sûr Arthas avait été prévu avant, hein, puisqu'on était en train de bosser sur Warcraft 3, mais ce qui est sûr, c'est que Kalia a été découverte avant Arthas, puisque le livre Le Jour du Dragon est un roman qui préparait la sortie de Warcraft 3,
et Calliaménéthil apparaissaient dans ce livre. Alors je vais pas trop m'attarder sur le livre puisque Le Jour du Dragon est aussi un de mes livres préférés pour le coup. Donc Calia fait partie de mes livres préférés à chaque fois. Et Le Jour du Dragon, eh bien, je lui consacrerai une vidéo entière puisque c'est super intéressant et surtout ça fait la jonction entre Warcraft 2 et Warcraft 3, ça clôture la deuxième guerre et ça nous parle un petit peu de ce qui va se passer pendant la troisième guerre. Donc je ferai une vidéo totalement prévue autour du Jour du Dragon. Mais du coup, eh bien, pour résumer rapidement quand même la position de Calia, comme vous le voyez, elle fait la gueule puisque eh bien, Calia a été promise à un noble de la maison de Lordaeron et d'Alterac pour reprendre, enfin, elle est la princesse de Lordaeron puisqu'elle est la fille de Terenas, la sœur d'Arthas, et eh bien, elle a été promise à un noble et elle aime pas ça. Elle a pas envie de se marier, hein, évidemment, fait l'amour. Le truc, c'est que ce noble, c'est pas n'importe qui, c'est un certain Daval Prestor. Daval Prestor, c'est Deathwing sous forme humaine. Donc, elle demeure, bien sûr, pour les non-anglophones. Donc, Deathwing, eh bien, qui va utiliser, bien sûr, ses charmes draconiques pour eh bien, charmer la petite Calia qui, à ce moment-là, tombera amoureuse de lui. Et eh bien, une fois que Deathwing, spoiler, une fois que Deathwing sera mis hors d'état de nuire, eh bien, Calia recouvrera, enfin, le charme va s'estomper et elle reprendra son indépendance. Mais c'est assez intéressant de voir ça puisque Calia était en gros un jouet politique de son père à ce moment-là, ce qui est quelque chose de tout à fait normal hein, à l'époque moyenâgeuse, bien sûr, de l'Heroic Fantasy de Warcraft. Donc, c'est pour la couronne d'Alterac, tout ça, tout ça. On en reparlera davantage, bien sûr, dans le livre, dans la vidéo sur le Jour du Dragon. On ne parlera plus du tout de Calia dans World of Warcraft, les jeux, hein, de Vanilla jusqu'à Légion, on ne fait jamais mention de Calliaménéthil. Et on en parlera un petit peu dans les livres qui seront liés, justement, au passé de Warcraft, à savoir, au passé de World of Warcraft, à savoir les livres sur Warcraft 2 et les livres sur Warcraft 3, à savoir L'Heure des Ténèbres, par exemple, pour Warcraft 2, et Arthas, l'Ascension du Roi Lich, où elle est la copine de Jaina, elle s'entend très très bien avec Jaina, tout ça, dans l'Ascension du Roi Lich, qui est liée, bien sûr, à Arthas, Menethil, Warcraft et Warcraft 3, la troisième guerre. Donc, en dehors de quelques mentions, on ne parle plus du tout de Calia, à tel point que beaucoup de gens soupçonnent le fait que Calia Menethil soit probablement morte. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments dans le RPG papier, mais le RPG papier n'est pas a été décanonisé. Ce qui est rigolo, c'est de se rappeler que le livre, enfin le RPG papier a été décanonisé, mais il y a 80% du contenu qui est canon en fait. Hein. Le RPG est décanonisé, mais quasiment tous les éléments, eux, sont canons. Ça rappelle un petit peu l'univers étendu de Star Wars avec l'achat de Disney. Et au final, eh bien, tout est quasiment canon, ou en tout cas a été refait, mais est dans le canon officiel, sauf que c'est plus canon. C'est un peu le délire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Battle for Azeroth est lié au culte irassien aux Andalari, et la plupart de leur histoire qui a été reprise dans BFA vient du RPG papier, donc c'est assez rigolo à ce niveau là. Encore une fois, des éléments hein, qui vont se recouper, vous en faites pas, c'est que le début. Donc revenons donc sur Calia Menethil qui revient à Légion. Dans Avant la Tempête, comme je vous l'ai dit, elle tombe amoureuse d'un fantassin, hein, c'est bien explicité, un fantassin. Alors c'est une erreur de traduction si vous achetez le livre en français, dans la version anglaise c'est footman. Le problème de la localisation, c'est que ce sont des traducteurs, mais certains ne sont pas forcément très, ne sont pas forcément au courant, enfin ce sont des traducteurs professionnels, donc ils traduisent parfois machinalement, sans prendre en compte Warcraft. Et du coup, le footman a été traduit valet de pied. Ce qui en soi est la traduction parfaite. Mais pas dans Warcraft. Un footman dans Warcraft, c'est un fantassin. Et du coup, dans le livre, vous trouverez valet de pied, mais en fait, c'est un fantassin. Voilà pour la petite anecdote. Donc, eh bien, en gros, Calia serait tombée amoureuse d'un fantassin de l'armée. De son popo, hein, donc de l'armée de Lordaeron, mais Lordaeron, je rappelle, c'est l'alliance de Lordaeron, donc la grande alliance. Et elle cache son idylle à son père qui serait contre l'union de Calia, la princesse de Lordaeron, avec quelqu'un de basse extraction, sachant que je rappelle que même la petite noblesse fait partie aussi de l'armée et peuvent être des fantassins. Je rappelle, on en reparlera dans Le Chef de la Rébellion, mais nous avons Aedelas Blackmoor, donc Aedelas Land Noir, qui sera le maître de Thrall, faisait partie justement des fantassins à la base, hein, puisqu'il était de la basse noblesse de Lordaeron. En l'occurrence,
Donc les amants vont finalement, après être tombés amoureux, vont continuer leur idylle. Et à un moment donné, eh bien, ils vont se marier en secret. Ils vont aller voir une prêtresse lors d'une nuit noire et elle va les marier. Donc leur union sera officielle, enfin officielle, officielle aux yeux de l'église de la lumière. Mais bien sûr, le papa n'en saura rien. Terenas n'en saura rien. Terenas Menethil n'est pas au courant. On cache toujours cette union. Le problème, c'est que, eh bien, évidemment, qui dit mariage, qui dit... consommation bien sûr du mariage avec eh bien l'entente cordiale entre ce fantassin et Kalia va bien sûr aboutir à une grossesse qui ne peut plus vraiment être cachée aux yeux de pas mal de monde, et du coup eh bien Kalia va demander de l'aide à sa maman, à sa mère, à savoir Lyanne Menethil, et du coup donc la mère d'Arthas et la femme de Terenas, et sa mère eh bien comprend, et même si bon ça reste la noblesse tout ça donc elle a un peu de mal. Elle aime sa fille, elle aime sa famille, et du coup, eh bien, elle va aider Kalia à cacher sa grossesse. Donc Terenas n'en saura jamais rien. Il est mort sans savoir que sa fille était enceinte. Mais du coup, eh bien, la mère de Kalia va l'aider. Et au final, à la fin, ce qui est conclu, ce qui est prévu avec les personnes qui ont connaissance de ce secret, eh bien, c'est que le père élèvera la fille loin de Lordaeron, le temps que tout ça se tasse un petit peu. Et le jour où Arthas accédera à la couronne, donc c'est bien textuellement dit, hein, le jour où Arthas accédera au poste de roi, eh bien il officialisera le mariage et il anoblira au sein des maisons nobles de Lordaeron le mari de Kalia, et du coup il anoblira évidemment la fille, l'enfant de cette union. Donc est-ce que... Alors le problème c'est que ce n'est pas textuellement dit, là c'est moi qui théorise dans la théorie, mais est-ce que Arthas était au courant de l'union? Il semblerait que oui. Et Arthas, il a toujours été bon envers sa famille, etc. Donc il est fort probable que Arthas était peut-être, mais ça c'est vraiment, on n'en sait rien, Arthas était peut-être dans la confidence justement, et il connaissait peut-être la grossesse de Kalia. En attendant, cela n'arriva jamais, puisque comme vous le savez, si, allez voir ma vidéo sur Warcraft 3, eh bien Arthas, en voulant protéger son royaume, sa famille et son peuple, eh bien il va tomber du côté obscur et finalement il va damner son propre royaume et il va mettre notamment à sac Lordaeron et il va tuer son père dans une cinématique absolument sublime. Et ce jour-là, eh bien c'est le sac de la capitale, hein, c'est le sac de Lordaeron, et on a tous cru eh bien que Kalia Menethil était morte justement lors du sac de Lordaeron. Eh bien, il n'en est rien. Donc on l'a pensée morte, mais pas du tout. Kalia a survécu, séparée de son mari et de sa fille. Elle fuit les massacres, se cachant du fléau de Lordaeron, donc se cachant des morts vivants. C'était ce qui était dit dans les RPG, et Avant la Tempête nous en reparle. Donc, notamment, elle fuit les ghouls et les armées morts vivantes, en vivant dans une... Bien sûr, à ce moment-là, faut avoir une idée que c'est les morts, hein, donc c'est une ambiance très Walking Dead. J'en parle pas mal de cette ambiance Walking Dead avec ma vidéo sur White Mane et South Shore et la Croisade Écarlate, donc je vous invite à aller la voir évidemment. Ça peut vous donner une idée un petit peu de l'ambiance plutôt taciturne et sympathique de l'époque. Et justement, eh bien, Kalia va se cacher dans des fosses communes, etc., pour échapper à ses poursuivants. Et finalement, eh bien, elle va se rendre vers le sud, vers la grande ville, même si elle n'est pas du tout grande dans World of Warcraft, le jeu. Mais dans l'histoire, eh bien, elle est importante, hein, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur White Mane. Eh bien, elle va se rendre à South Shore. South Shore, qui est également appelé Ostrivage en français. C'est tout simplement eh bien, le plus grand port de Lordaeron, au sud de Lordaeron, puisque c'est Stratholme au nord et Ostrivage au sud. Et au final, eh bien, la ville s'est fortifiée et va réussir à tenir tête pendant un bon moment aux morts vivants. Et là-bas, eh bien, elle va tomber sur son mari et sur sa fille. Donc ils vont être, alors qu'ils étaient séparés, ils vont pouvoir se retrouver justement à South Shore. Et pendant quelques jours, eh bien, ils vont enfin pouvoir revivre dans le bonheur, dans tout le malheur qui s'abat sur Lordaeron. Eh bien, un petit peu de bonheur, ça fait toujours du bien. Le problème, c'est que ce bonheur, dans une ère de chaos et de destruction, est éphémère, et eh bien, il va y avoir une énorme armée de morts-vivants qui va se constituer et qui va vouloir détruire justement cette ville renforcée, cette ville fortifiée. Et lors de l'assaut, lors du massacre de South Shore, qui je le rappelle ne se passe pas à Cataclysme, hein, certains je sais confondent un petit peu et se disent « Ah ouais, la destruction de South Shore c'est Cataclysme ». Non, non, South Shore est redétruite à Cataclysme, mais lors de la mise à sac de South Shore par les morts-vivants, et eh bien de nouveau, Kalia va être séparée de son mari et de sa fille. Et Kalia sera considérée morte une nouvelle fois à ce moment précis. Mais non,
lors de son exil, lors de, du coup, elle va de nouveau se cacher parmi les morts-vivants, parmi, elle va se cacher un petit peu là où elle peut, et essayer de survivre comme elle peut, hein, loin de sa condition de princesse, bien entendu. Là, c'est une survivante plus qu'une princesse. Donc, elle a une vie austère, évidemment. Elle va tomber sur, tout simplement, eh bien, une personne qu'elle connaît, et qui la reconnaît, surtout. Il s'agit d'Alonsus Fahol. Alors, est-ce que Alonsus Fahol vous dit quelque chose ? Normalement, un petit peu, si vous suivez mes vidéos, sinon je le rappelle, pas de problème. Alonsus Fahol, c'est le pape, tout simplement, de l'Église de la Lumière dans l'univers de Warcraft. Donc c'est un personnage très important, qui n'a pas été très présenté dans les jeux, mais c'est tout simplement celui qui est le chef de l'Église de la Lumière, et c'est également celui qui a créé l'Ordre de la Main d'Argent, à savoir l'Ordre des Paladins. Donc Alonsus Fahol, il pèse un petit peu dans le milieu. C'est également celui qui a fait Paladin le frère de Kalia, donc Arthas, ainsi que Uther, etc., Turalion, Tyrion, tous, Gavinrad le Terrible, tout le monde. Et du coup, Alonsus Fahol, à ce moment-là, était un esclave sous la volonté du roi Lich, hein, de Ner'zhul, donc un esclave du roi Lich, donc un simple squelette sans aucune volonté propre, mais, c'est pour ça qu'on a une petite idée de la temporalité, puisque... Eh bien, vous connaissez probablement, si vous avez vu ma vidéo sur Warcraft 3 Frozen Throne, il y a eu un moment, eh bien, Illidan, il a utilisé l'œil de Sargeras pour affaiblir le roi Lich. Enfin, à la base, il voulait le détruire, et finalement, bon, on va pas revenir dans les détails, mais bon, il a échoué, mais ça a quand même affaibli le pouvoir du roi Lich. Et le roi Lich a perdu une partie de son pouvoir sur les morts-vivants, notamment ceux qui étaient le plus loin de son pouvoir, le plus loin de son trône, à savoir, eh bien, les morts-vivants de Lordaeron. Une partie des morts-vivants de Lordaeron. Notamment les futurs réprouvés, hein, qui suivent Sylvanas, mais dans ces réprouvés-là, je rappelle, les réprouvés, c'est à la fois un peuple, mais surtout l'entité politique que préside Sylvanas. Donc, Alonsus Fahol est un réprouvé sans être un réprouvé, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération de morts-vivants qui fut libéré du contrôle du roi Lich et qui s'est dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» et je me rends compte de ma condition, ça y est, j'ai de nouveau ma volonté. Et donc, Alonsus Fahol va reconnaître Kalia et va faire « Mais vous êtes la princesse de Lordaeron, dans cette ère de chaos, lui-même a un petit peu de soucis. » Et du coup, on comprend la temporalité, ça se passe en gros entre le sac de Lordaeron, donc la fin de la campagne humaine de Warcraft 3, jusqu'à Frozen Throne, ou peut-être même un peu après, mais donc jusqu'à la campagne, en gros, mort-vivante de Frozen Throne. Donc il s'écoule des mois entre tout ça. Donc des mois, imaginez un petit peu les conditions de vie pour Kalia, c'est un petit peu dur. Donc Alonsus Fahol va lui-même, avec d'autres morts-vivants loyalistes, on va dire. Quand je dis loyalistes, c'est pas loyalistes de Sylvanas, hein, c'est des personnes qui vont rester fidèles à Alonsus Fahol et qui du coup voient en Kalia un espoir, voient en Kalia le futur tout simplement étincelant, en tout cas le futur qui pourrait ramener, qu'elle pourrait ramener pour l'avenir de Lordaeron. Donc un petit groupe de défenseurs va se constituer autour de la princesse, ils vont la protéger, la cacher aux yeux du monde, aux yeux des adversaires, que ce soit des adversaires vivants ou morts-vivants d'ailleurs, puisqu'ils ont très très peur que Kalia soit instrumentalisée par différentes factions, donc ils veulent vraiment la cacher, et elle va vivre pendant plus de 10 ans, cachée aux yeux du monde. Et c'est là justement au contact de ces différents morts-vivants qu'elle va apprendre, elle va comprendre en fait la condition des morts-vivants, leur questionnement éthique, leurs soucis, leur putréfaction aussi, toutes les joies de la non-mort, et elle va tout simplement comprendre les émotions des morts-vivants et du coup se rapprocher des morts-vivants qu'elle considère comme son propre peuple. Avec tout ce qui s'est passé, eh bien, elle voit Arthas, avec Arthas et autres, eh bien, elle-même se dit, et au final, ils sont pas si différents de nous, et malgré qu'il y a un énorme racisme entre les vivants et les morts-vivants, eh bien, elle, justement, va... Tout son peuple, une grande partie de son peuple et de sa famille est liée à la mort. Donc c'est vrai que elle va finalement prendre en pitié, je dirais, les morts-vivants, et plus que ça, elle va directement se lier d'amitié. Elle considère Alonsus Fahol comme un être vivant, alors que pourtant c'est un mort-vivant rejeté de tout le monde. Donc, eh bien, c'est comme ça qu'elle va vraiment essayer, on voit qu'elle va constituer petit à petit une idée, à savoir potentiellement devenir la reine de Lordaeron et reconstituer vivant et mort-vivant, mais ça, ce sera bien plus tard. Pendant ces 10 années, elle va également, grâce à Alonsus Fahol, découvrir la prêtrise et devenir une prêtresse très puissante, pas déconner non plus, mais puissante, et va continuer à développer justement la voie de la prêtrise, et c'est pour ça que nous la reverrons à Légion, je vais rester sur ce visuel, nous la reverrons à Légion dans le domaine des prêtres.
on pouvait déjà, quand vous étiez prêtre à Légion dans le domaine de classe, voir un petit peu, parler à Kalia, voir un petit peu comment elle a survécu, etc., etc. Mais c'est dans Avant la Tempête, bien sûr, qu'on va retrouver Kalia et qu'on voit justement cet amour pour son peuple, qu'il soit vivant ou mort vivant, qu'elle va essayer de lier justement Horde et Alliance, à savoir les réprouvés de Sylvanas qui sont des Lords erronés et des Lords erronés ayant échappé au massacre et toujours vivants ou des proches des familles mort vivantes. Et du coup, elle va, eh bien, sous l'initiative d'Alonsus Fahol, elle va rencontrer Anduin et elle va notamment eh bien, proposer ses services dans ce rassemblement vivant-mort-vivant. Au départ, ça se passe pas trop mal, mais finalement, eh bien, ça va quand même mal se conclure. Je vous laisse bien sûr aller voir ma vidéo sur Avant la Tempête, notamment avec les spoils, mais en gros, eh bien, Kalia va décéder lors des événements du livre. Elle va être tuée par la gentille, la puritaine, évidemment Sylvanas Windrunner, Sylvanas Coursevent, non, la connasse, hein, tout simplement, qui va, lors d'un mouvement de foule, il y a eu certains réprouvés qui ont choisi de... Ils se sont dit, on va rejoindre l'Alliance, ça m'a l'air pas mal. Du coup, eh bien, il va y avoir un petit bordel, Kalia va essayer de sauver les réprouvés, ça va mal se passer, Sylvanas va tous les traquer, tous les buter. Elle est comme ça, Sylvanas, hein... Elle est gentille tant que t'obéis à ses ordres. Si t'obéis pas, elle dégaine le carco. Enfin, elle dégaine l'arc, elle décoche et t'es mort. Donc, et encore, ils ont de la chance, Kalia aurait pu devenir une réprouvée. Mais à ce moment-là, eh bien, Kalia est tuée. Et Anduin s'en veut parce qu'il n'a pas réussi à sauver Tati Kalia. Et à ce moment-là, eh bien, Alonsus Fahol, Anduin et une Naru qui s'appelle Sarah, mais bon, il y a déjà suffisamment de noms, donc on s'en fout. Vous rappelez qu'il y a une Naru, c'est la Naru du domaine de classe des prêtres, justement, qui vont collectivement partager leurs efforts et leurs peines, et ils vont essayer, tant bien que mal, d'essayer de soigner, de réanimer Kalia. Au départ, ça ne fonctionne pas. Et finalement, eh bien, Kalia Ménéthil revient à la vie. Elle est réanimée dans un état que personne n'a jamais vu. À savoir, ce n'est pas une vivante, mais ce n'est pas non plus une mort-vivante classique. Ça devient la première mort-vivante de lumière. Et là vous allez me dire, attendez, Alonsus Fahol, c'est un mort-vivant qui manie la lumière. Oui, mais c'est pas pareil. C'est un mort-vivant qui arrive encore à utiliser la lumière. Mais en tant que mort-vivant, la lumière le brûle. Là, c'est une mort-vivante de lumière. C'est une sancte réprouvée. Non, pas du tout. Non, mais en gros, c'est un peu ça. C'est une sancte réprouvée dans l'idée. C'est une sancte mort-vivante. Ça n'a jamais existé avant. Et c'est créé pour l'occasion pour Kalia Ménéthil. Certains justement théorisent le fait que ce sera peut-être une future race alliée. Moi j'aimerais pas trop parce que, un peu comme les ailes du vide, c'est dommage, ça casse le côté unique d'Aleria et de Kalia. Donc j'espère que d'un côté t'as envie de voir des réprouvés de lumière, d'un autre côté t'as pas envie. Mais donc on verra. Donc, eh bien, Kalia souhaite toujours rassembler son peuple vivant comme mort vivante. Et maintenant, eh bien, elle est dans la même condition qu'une grande partie de son peuple, à savoir mort vivante. Et bien sûr, il y a d'autres théories qui naissent de ça, c'est à savoir est-ce que Kalia serait la future chef des réprouvés. Il y a pas mal d'éléments qui pourraient conclure à cela. Le problème, c'est qu'elle est très liée à l'Alliance, donc c'est vrai que devenir un chef de la Horde, ça semble un peu étonnant, mais on pourrait voir le cheminement. Dans tous les cas, passons. Kalia, on a rappelé qui est-elle, pourquoi, etc. Parlons maintenant de Taelia Fordragon. Taelia Fordragon, la petite héroïne de Cult Tirass, qui n'est pas une Cult Tirassienne, je le rappelle. Elle a grandi à Cult Tirass et on le découvre en jeu, justement, la petite Taelia Fordragon. Donc Avant la Tempête se passe, fait la liaison entre Légion et Battle for Azeroth. Et à Battle for Azeroth, première quête, on débarque, enfin pas première quête, mais on débarque à Cult Tirass. Première quête, par contre, à Cult Tirass, on découvre la petite Taelia, jeune humaine, visiblement très sympathique, qui, elle, a des sentiments forts pour l'Alliance, alors que tout le monde te dit dégager et te considère comme un gros con. Eh bien, cette petite Taelia nous semble très gentille, joyeuse et joviale, et qui a envie de nous épanouir à Cult Tirass, à Boralus. Et du coup, dans cette quête, eh bien, on découvre justement donc la quête du chevalier grisonnant. Aujourd'hui, Cyrus est le maître du port, mais autrefois, c'était l'un des plus fidèles chevaliers de Daelin Prodmore, Daelin Port-Vaillant. Alors Cyrus, c'est Cyrus Crestfall, Cyrus La Falaise en français. Cyrus Crestfall, c'est tout simplement, donc comme son nom l'indique, alors là c'est de la théorie, mais il semblerait que ce soit le seigneur de l'île de Crestfall, à savoir, en français, le problème c'est que La Falaise n'a pas été traduit La Falaise. L'île s'appelle l'île de l'affliction, ça n'a rien à voir, mais bon. Donc, peut-être que c'est le seigneur de Crestfall, on n'en sait rien, parce que le même nom, c'est vrai que fait 1 plus 1 égale 2, hein, sur le papier, mais rien n'indique qu'il soit le seigneur de Crestfall, mais ce qui est certain, c'est que Cyrus est l'un des plus puissants, enfin, c'est l'un des bras droits de Daelin Prodmore, et ça s'est prouvé. Et quand le fléau, c'est pour ça que ça serait pas étonnant que ce soit le propriétaire de Crestfall,
quand le, une île qui appartient à Kul'Tiras mais qui n'est pas en jeu sauf dans les îles inexplorées, mais je m'aventure, quand le fléau s'est abattu sur Lordaeron et que ma mère est morte, mon père m'a envoyé ici pour que je ne puisse grandir loin des combats. Je ne sais pas grand chose sur lui, mis à part qu'il était chevalier de Hurlevent, chevalier de Stormwind, donc de la nation d'Azeroth, et qu'il s'est sacrifié pour vaincre le roi Lich. Daelin en personne a choisi Cyrus pour m'élever et l'a forcé à accepter un poste administratif. C'est la seule raison pour laquelle il ne se trouvait pas à Terramor. Très bonne explication. On apprend que le bras droit de Daelin n'était pas à Terramor avec le reste de la flotte, des flottes kul'tirassiennes contre la Horde, qui a fait, je rappelle, un petit putsch à Terramor pour dégager Jaina. Mais ça, c'est une autre histoire. Fondation de la Horde. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Et c'est assez intéressant parce que ça nous explique pourquoi le bras droit de Daelin n'est pas là-bas. Parce qu'en fait, eh bien, il est laissé à Kul'Tiras pour prendre soin et prendre Talia comme pupille et la former tout simplement à la noblesse, enfin à tout en fait. Donc c'est assez intéressant puisque, comme par hasard, eh bien, Bolvar a une. Sa mère, enfin sa femme a disparu, sa fille a été séparée de sa femme, ils ont fui le fléau de Lordaeron. Et la petite Talia se retrouve à Kul'Tiras, élevée, tout ça. C'est quand même une sacrée coïncidence. Et on sait du coup que Talia, eh bien, s'appelle Fort Dragon du nom de son père. C'est quand même assez incroyable. Et on sait du coup que Bolvar envoya sa fille à Kul'Tiras, comme je l'ai lu, pour être élevée et protégée lors des affres de la troisième guerre, hein, comme je, encore une fois je l'ai dit. Donc Daelin Prodmore confie la garde à son bras droit, Cyrus, son meilleur homme. C'est dit dans d'autres quêtes d'ailleurs que c'est vraiment son meilleur homme qui a fait la deuxième guerre, etc. Un des grands amiraux de Kul'Tiras. Et ce dernier d'ailleurs le dit lui-même, il est dégoûté de ne pas avoir pu rejoindre Daelin. Lui-même il se dit, si j'avais été là-bas peut-être que ça serait pas passé pareil. Mais c'est le devoir qui l'a obligé à rester à Kul'Tiras et malgré tout il n'en a pas honte. Et il a formé comme il le pouvait la petite Taelia Fort Dragon. Et c'est quand même assez incroyable quand même. Daelin Prodmore, le chef de Kul'Tiras, on a confié une petite, no name peut-être, hein, une petite à, directement à Daelin. Et Daelin, eh bien, il confie la garde à son meilleur chevalier, à son meilleur homme, à son bras droit. Et il lui interdit de venir à Terramor avec les meilleures troupes de Kul'Tiras pour qu'il puisse prendre soin de cette petite. C'est pas la fille de Joel Clodo, quoi. Hein, c'est pas la fille de Joel Clodo. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Évidemment, je vous invite, et pour, j'aurais peut-être dû le dire dès le départ, mais pour attaquer cette vidéo, il vaut mieux avoir vu la vidéo sur Bolvar et la fin de Wrath of the Lich King. Mais je le rappelle, donc je vais pas revenir dessus en détail, mais je vais faire quand même un petit rappel, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Rappel, Bolvar est issu d'Azeroth, hein, du royaume d'Azeroth, donc d'Hurlevent, de la nation d'Hurlevent, la nation de Stormwind. En tant qu'émigré d'Azeroth, puisqu'ils ont perdu la première guerre, il a dû partir s'exiler avec tous les autres exilés Lothar et autres, avec le prince Varian à ce moment-là d'ailleurs, hein. Ils ont dû s'exiler en Lordaeron, Terenas les a accueillis. Voilà, peut-être qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là. Terenas les a accueillis et au final, eh bien, la plupart des soldats d'Azeroth ont voulu continuer le combat, bien entendu, pour protéger les leurs et récupérer plus tard Stormwind. Et du coup, ils se sont engagés dans l'armée, bien sûr, de l'Alliance de Lordaeron. Donc peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, notre cher Bolvar a combattu en tant que fantassin de l'armée de Lordaeron. Et dans le, ça c'est une image du RPG où vous le voyez avec un tabar et un bouclier de Lordaeron et pas de Stormwind, même s'il vient de Stormwind bien sûr. Donc ça c'est assez intéressant, c'est intéressant. Et il revient donc ensuite plus tard servir la couronne, servir le jeune prince Anduin Rhin. Et on voit bien sûr son autre coup de cœur charmé bien sûr, mais la petite Onyxia. Mais ça c'est dans la vidéo sur Bolvar. Et pour directement débunker tout ça, Talia ne peut pas être la fille de la fille d'Onyxia, parce que comme certains disent, oui, elle a les cheveux noirs, blablabla, ça marche pas. En termes de temporalité, ça ne marche pas. Onyxia est arrivée à la cour d'Azeroth beaucoup trop tard, donc ce serait pas possible en fait, ce serait pas possible. Donc, à ce moment-là, rappelons quelque chose que j'ai déjà évoqué dans la vidéo sur Bolvar et qu'on va revenir, mais bon, si vous l'avez vu, vous savez que le personnage Bolvar a une histoire aussi épaisse que cette carte postale. Très belle carte postale d'ailleurs, mais cette carte postale. Donc Bolvar à l'heure actuelle n'a pas d'histoire. Or, on sait déjà, on a déjà des éléments, on sait que Bolvar
sera le guide principal pour Shadowlands, donc pour l'extension de Shadowlands, donc sur notre principal guide sur les Terres d'Ombre. Il jouera le rôle de Khadgar à Warlord of Draenor ou Khadgar à Légion, et le rôle de Magni à Battle for Azeroth. Donc ce sera quand même un personnage principal, très important pour Shadowlands. Et il est temps de lui créer une histoire, parce qu'il n'en a pas des masses, hein. Sa backstory, elle est faible, elle est très très faible. Donc quoi de mieux ? C'est un outil très facile. Bon là je sais, je vais encore parler d'une autre vidéo, mais si vous avez vu la vidéo sur Marcus Jonathan, vous savez que un des moyens faciles pour créer une histoire à un personnage, c'est de lui dire qu'il est le frère 2, le fils 2, l'enfant 2, le popo 2, le cousin 2, un truc comme ça, le lier avec un personnage déjà existant. Donc dire justement eh bien, qu'il a une fille, on rencontre cette fille à Boralus, on va du coup être pris de sympathie pour la petite Talia en disant « Ah, le pauvre Bolvar, on sait ce qu'il est, on sait ce qui s'est passé à ton papa, toi tu l'ignores, mais nous on sait ce qui s'est passé à ton père. » Ça vous crée une espèce d'ironie dramatique terrible. Et quoi de mieux qu'une descendance prestigieuse pour le généralissime Bolvar Fordragon ? Imaginez, il est finalement le beau-frère d'Arthas. Il a été séparé de sa femme, qui n'est autre que Kalia Menethil. Il a dû cacher sa fille pour continuer le combat pendant Warcraft 3 et ensuite l'éloigner, bien sûr, des problèmes, totalement des problèmes liés au royaume d'Azeroth. Donc, sachant que c'était très commun dans l'Heroic Fantasy et le Moyen-Âge d'envoyer par exemple un enfant être pupille à la cour d'un autre roi, rappelons Jaina Proudmoore, hein. Jaina de Kul Tiras, eh bien, avait été envoyée à Dalaran par exemple, qui est une autre nation. Et Jaina avait déjà eu beaucoup de contacts en tant que princesse avec Lordaeron, et c'est là qu'elle était tombée amoureuse d'Arthas. L'amour était réciproque d'ailleurs. Et en plus, il y a un autre élément bien sûr, il y a d'autres éléments, parce que là on commence à se dire « Oh là là, les coïncidences sont incroyables !» Et là, eh bien, c'est un artwork officiel, deux artworks officiels d'ailleurs, un à gauche, un à droite. Alors à droite, c'est pas Bolvar, hein, je vous arrête tout de suite, c'est juste, d'ailleurs, c'est probablement Uther, mais c'est tout simplement une représentation artistique de Samwise Didier, du paladin de Warcraft 3. Donc ça, c'est à droite. À gauche, c'est un artwork officiel de Taelia, Fordragon, pour Battle for Azeroth, qui a même été montré d'ailleurs sur les panels de BlizzCon. Et est-ce qu'elle porterait pas un gros marteau, hein ? Un gros marteau avec un gros annuaire, un gros livre, évidemment. Et c'est clairement... Alors, bien sûr, je vous invite souvent à sortir des carcans, hein, le marteau, le livre, évidemment, ça fait un petit peu paladin. Bon, normalement, sortez des carcans, mais c'est vrai qu'il y a des symboles, quand même, qui sont souvent... voilà, qui font écho aux joueurs. Gros marteau plus livre, souvent, on pense pas à la classe chasseur, quoi. Donc, est-ce qu'elle serait pas... une future paladine comme papa, hein ? Est-ce qu'on pourrait pas être une petite paladine ? Donc voilà, après bien sûr dans le jeu elle n'a pas son libram, elle n'a pas son livre, par contre elle a l'énorme marteau, donc bien sûr sortez des carcans, tout ça, mais il y a quand même des symboles, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens que, voilà, elle pourrait peut-être. Donc en plus, avoir bien sûr Taelia Fordragon, ça nous permettait de faire d'une pierre trois coups, à savoir développer Taelia Fordragon en lui donnant un père, Bolvar Fordragon, ça nous permet de tout de suite, c'est pas, voilà, Marcus Jonathan, c'est pas un personnage dont on se contrefou, on se dit Taelia, ah la fille de Bolvar et tout, c'est incroyable. D'un autre côté, ça permet d'améliorer l'histoire de Bolvar, et en plus de ça, ça nous permet de lier tout ça à Kalia Menethil. Donc, d'une pierre, tu as trois développements de personnages intégrés, et qui en plus, si tu extrapoles encore, peut permettre de développer la maisonnée de Lordaeron, ainsi que la maisonnée d'Azeroth, sachant qu'on sait que Gaine, hein, papy, il arrête pas de pousser Anduin au cul en mode « Il faut que tu te maries, il faut des gosses, il nous faut un héritier pour la couronne d'Azeroth. » Donc, hein, est-ce que tu prendrais pas la petite... La fille de tonton, hein? Ça pourrait quand même arriver. Et puis, encore une fois, ça lierait la maison de Menethil et Rin, ce qui a toujours été les personnages les plus importants de Warcraft du côté alliance humain. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est pas fini! C'est pas fini, mesdames et messieurs. Ce n'est pas fini. Il y a quand même pas mal d'éléments, hein, bien entendu, avec cette suite. Alors, c'est la suite d'une quête de Légion qui aurait dû apparaître à la 8.1.5 de Battle for Azeroth, qui n'est pas apparue à la 8.1.5. La quête n'est jamais sortie, elle a totalement été annulée, mais on a les livres qui sont liés à cette quête, qui est sortie finalement à la 8.3 de Battle for Azeroth. Il y en a 4 des livres comme ça, qui parlent justement d'Avant la Tempête et des conséquences d'Avant la Tempête. Le dernier des Menethil est un de ces 4 livres, avec 4 pages, et ce sont tout simplement des textes de propagande des héritiers de la croisade écarlate, à savoir la confrérie écarlate. Je vais vous lire tout ça, ça reste des textes de propagande, donc gardez du recul, prenez du recul, c'est des textes de propagande. Donc il y a des conneries, mais il y a un fond, souvent, vous savez, la propagande, on prend un fond de vérité et
Ensuite, on dégaine. Donc, savoir que notre chère princesse Kalia fut assassinée par le traître Rin et relevée en mort-vivante fut un véritable coup porté au cœur de tous nos frères et sœurs. Et oui, la plupart des croisades écarlates, tout ça, la plupart c'est des lords erronés. Mais ne perdez pas espoir, la dynastie du roi Terenas perdurera. Durant les derniers jours du règne de son père, la princesse Kalia épousa un noble de la lignée Arati dans le plus grand secret. Par orgueil, Arthas demanda que cette union reste cachée jusqu'à ce que lui-même se marie et engendre un héritier. Ce qui n'arriva jamais, comme chacun le sait. Donc ça évoque, ça fait un peu écho à ma théorie comme quoi Arthas le savait, même si là il est dépeint comme un salaud évidemment. Alors que c'est pas le cas. Mais un enfant vit le jour. La princesse Kalia donna naissance à un fils, oui, un héritier au trône de Ménéthil, n'est-ce pas? Alors, un fils, parce que bon, les filles, hein, c'est Moyen-Âge, tout ça, hein, c'est de la saloperie, on préfère des enfants mâles. Malheureusement, la princesse fut séparée de son mari et de son fils pendant une attaque du fléau. Les membres de sa famille furent présumés morts, mais que la joie emplisse vos cœurs, mes amis, car l'enfant est encore vivant. Le jeune prince fut sauvé par un bon samaritain de Lordaeron, en suce folle. Il fut recueilli et protégé par les membres de la confrérie écarlate pendant toutes ces années. Alors là, c'est des conneries, hein, bien sûr. Nous le gardons dans un lieu sécurisé, évidemment, hein, c'est toujours plus sympa, qui doit, pour des raisons évidentes, rester secret. Nous souhaitions réunir le jeune héritier et sa mère. Malheureusement, le traître à l'Alliance fut assassiné la princesse Kalia par sa bien-aimée Banshee. Sylvanas, évidemment. L'abomination qui marche sur cette terre n'est pas la princesse Kalia. Châtiment s'abattra sur ces monstres, n'est-ce pas? Lordaeron appartient aux vivants, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est évidemment de la propagande, mais c'est assez intéressant puisque même la propagande de la croisade écarlate s'appuie sur un héritier vivant de Kalia, etc., etc. Beaucoup de choses qui quand même commencent à se rassembler, évidemment. Donc à ce moment-là, eh bien, conclusion pour cette théorie, bien sûr ça reste de la théorie, bien sûr potentiellement on se fourvoie complètement et en fait c'est des conneries. Mais il y a quand même vachement d'alignement de planètes, hein, pour expliquer au même moment que dans le traitement d'avant la tempête qui lie le début de BFA avec la fin de Légion, le Bolvar qui d'un coup, paf, t'as une fille mon coco, ça quand même, ça commence à être vraiment, vraiment, ça commence à se lier. Vous noterez d'ailleurs, alors je sais c'est un visuel de Namwan, mais c'est officiel. La petite Taelia a les yeux verts, vert un peu noisette, mais les yeux verts. Je rappelle que les yeux verts, c'est la signature de la famille Ménéthil. Arthas a les yeux verts, même si des fois on lui met les yeux bleus, généralement c'est lié au roi Lich, tout ça. D'ailleurs, c'est confirmé par Dan User, qui est l'une des têtes pensantes du lore. Hein. C'était un des gars qui faisait partie du Grand Conseil avec Chris Metzen notamment et Afrasiabi. Donc, Dan User en interview il y a à peine un mois, donc là nous sommes le 10 mai 2020, il y a à peine plus d'un mois, eh bien Dan User en interview a effectivement dit « Nous explorerons le passé de Bolvar à Shadowlands. » On sait déjà, grâce à Battle for Azeroth, qu'il a une fille. Et permettrait donc de lier encore une fois proprement, parce que c'est pas non plus sorti du chapeau comme je vous l'ai montré avec Kalia. Bien sûr, ça aurait pu être mieux fait en l'amenant dans différentes extensions et pas un gros trou entre début WoW et Battle for Azeroth, enfin Légion Battle for Azeroth. Bon, mistakes were made, hein, évidemment. Mais donc ça permettrait de lier des vieux éléments, certains qui viennent du RPG, et notamment des nouveaux, qui amenant des émotions autour de Bolvar, autour de Taelia, autour de Kalia, qui ont quand même une histoire assez tragique, mine de rien, et du coup, amenant des émotions, du tragique, de l'ironie dramatique, tout ça, à trois personnages, développant également la couronne de Lordaeron et d'Azeroth. C'est vraiment l'occasion de faire d'une pierre 10 000 coups, hein. J'ai dit trois coups tout à l'heure, mais c'est vraiment plus que ça. Donc permettre un développement assez facile mais efficace de ces personnages. Donc honnêtement, je vois pas mal cette théorie. Pour moi, cette théorie, je pense qu'elle elle s'accomplira à Shadowlands. Peut-être que je me trompe, mais avec Evan Essor, qui m'a beaucoup aidé évidemment à préparer cette vidéo, nous sommes assez d'accord pour dire que ça devrait arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo théorie vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires si vous pensez justement que c'est... vous y croyez, vous n'y croyez pas. Il y a pas mal potentiellement de questions auxquelles on peut répondre en commentaire, donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Voilà. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus, et pas celui de Maligos. Ah là là. Ah là là, pauvre Maligos. Terrible ce qu'ils t'ont fait. N'hésitez pas à suivre Facebook, Twitter, YouTube, tout ça. Sachant que vous pouvez rejoindre... le Facebook également d'Evan Essor ainsi que le mien, ça nous soutient, c'est très cool. Bon, le Facebook, il en a pas, Eva, il n'y a que moi. Mais on a tous les deux une chaîne Twitch, bien sûr, que vous pouvez suivre. Voilà, plein de bisous.